Salut tout le monde et bienvenue dans l'hangar des guitares. Alors, depuis quelque temps, il y a plein de monde qui me demande qu'est-ce que c'est que cette nouvelle guitare que j'ai achetée de marque Peavey. Non, ce n'est pas un modèle signature Van Halen qu'il y a eu dans le passé. Non, ce n'est pas un équivalent aussi un petit peu bizarroïde qu'ils ont pu faire. C'est quelque chose de très particulier qui a eu une durée de vie assez chaotique. Voilà. Notamment aussi en termes de plan commercial. J'ai pas très bien compris ce qu'ils ont fait Peavey sur ce plan-là. Mais en fait, la guitare, elle est exactement à l'image de la marque, c'est-à-dire que où on a un produit qui est absolument sensationnel, voire même novateur, soit on a un truc où ils ont essayé de faire quelque chose de bien, mais qui en fait, ça a été une véritable catastrophe. Il n'y a pas de vrai milieu entre les deux chez Peavey, que ce soit ampli, guitare ou autre chose. Et la guitare dont je vais vous parler, elle fait exactement partie de ceci, et je vais vous parler de la Peavey AT200, qui était donc une guitare de type Superstrat, parce que vous le savez, les Superstrat et moi, c'est une très longue histoire d'amour avec les Explorers. Mais les Superstrat, j'avoue que c'est celle pour laquelle j'ai un petit faible. Et celle-ci, elle a quelque chose de très particulier intégré à son bord. Il s'agit d'un auto-accordeur, et je vous dis tout de suite qu'est-ce que ça vaut réellement, si c'est bien ou pas. Alors, avant de passer en revue la guitare, il faut que je vous fasse un petit récapitulatif de comment est-ce que cette guitare est née, parce que ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. Alors, donc, on est en 2012, et lors d'un grand événement musical au travers du monde pour présenter le matériel, il y a Peavey qui a annoncé qu'ils allaient sortir une guitare qui était équipée du système Auto-Tune Antares, donc c'est-à-dire qu'ils ont fabriqué avec la collaboration d'un logiciel, un fabricant de logiciel qui s'appelle Antares. Un logiciel nommé Autotune, donc exactement comme pour les ordinateurs ou les enregistreurs vocaux, c'est-à-dire quelque chose qui permet de réaccorder des fausses notes. Et donc ils ont sorti cette Superstrat là, voilà, donc une Superstrat qui est tout à fait à l'image des Superstrat que Peavey a fabriqué. Alors avant de rentrer plus dans le détail et savoir qu'est-ce que c'est cette histoire, donc première vue, nous avons donc une Superstrat avec un corps anti-gueule. Alors il faut savoir qu'il y a eu plusieurs versions de celle-ci. Moi j'ai de la chance parce que j'ai eu la meilleure version, c'est celle où il y a eu en fait un corps anti-gueule avec une très fine, c'est vrai, mais très présente, très fine table en érable. Et vous savez, lorsque le tilleul vous mettez avec de l'érable par-dessus, ça vous donne un matériel qui est vraiment très très résonnant. D'ailleurs, il ne faut pas s'y tromper, si toutes les sœurs très haut de gamme sont en tilleul avec une table en érable, comme donc Johnser aime bien faire, c'est qu'il y a une très bonne raison, ça sonne, ouais. Évidemment, le bois est sélectionné, mais l'alliance des deux, même si jamais la qualité du bois est moyen, ça donne quelque chose qui est complètement différent d'une guitare qui n'est faite que en tilleul. Donc, corps en tilleul Superstrat avec tous les découpes pour l'avant-bras, pour les côtes ici. Donc, la guitare est très confortable. On a ensuite un manche en érable avec une tête de type Superstrat que Peavey donc a fait avec, vous savez, ici, la petite découpe très sympathique, qui donne un look, je trouve, vraiment très à la fois classique et très moderne. Moi, j'aime bien. Nous avons ensuite une touche en palissandre. Alors, ça tombe bien, hein, palissandre. Maintenant que le CITES est passé, il va falloir s'habituer à voir autre chose que ça. Mais bon, déjà, elle est présente, c'est cool. Nous avons ensuite 24 frettes de type médium. Donc, c'est pas énorme, énorme, mais c'est sympa. Qui sont, ma foi, plutôt accessibles. D'ailleurs, le manche, vous voyez à l'arrière qu'il y a une découpe arrondi ici, et il n'y a pas de plaque, en fait il y a 5 grosses vis qui traversent le bois directement, ce qui fait que la guitare, donc on peut atteindre plutôt correctement donc la case numéro 24, donc on peut aussi bien faire du shred qu'autre chose. Le profil de manche est très intéressant parce qu'il est un petit peu arrondi, je dis bien un petit peu, c'est pas énorme énorme, mais légèrement. Voilà, par exemple, à titre d'exemple, ma Fred King, ma super hybride que j'utilise régulièrement, il est un petit peu plus rond que celui-ci. Là, c'est vraiment très confortable. On est entre la Stratocaster actuelle et la Gibson moderne, donc tout ce qui est forme D aplati, plutôt moderne, donc c'est plutôt sympa. Il permet de faire donc ce manche aussi bien des accords ouverts que barrés, des power chords, des solos, etc. etc. Pourquoi pas. Il y a 6 mécaniques mais à bain d'huile qui sont montées dessus, qui n'ont rien d'exceptionnel. À part un petit détail, je ne sais pas si ça se voit dans la vidéo, mais en fait, voilà, elles ne sont pas plates ici, elles sont légèrement creuses, voilà. On voit qu'en fait, elles sont légèrement creusées ici, ce qui fait que pour l'attraper, bah, c'est plutôt confortable. Voilà.
Après les aiguilles de rétention pour la sangle qui n'est pas livrée, hein. Là c'est une sangle à moi. Donc nous avons des chinoiseries. Nous avons ensuite un potard de volume, un potard de tonalité, un sélecteur 3 positions, deux micros double bobinage de marque Pivi qui sont à plutôt haut niveau de sortie et qui sonnent pas si mal franchement pour une guitare comme ça. Nous avons ensuite un chevalet fixe de type Artel. Alors vous le savez, les guitares Artel et moi, c'est vraiment une histoire d'amour, c'est vraiment super, ce sont mes guitares favorites. Alors à noter qu'elles ont une petite particularité, ce chevalier, c'est que donc normalement les cordes sont traversantes ici avec les œillets de rétention et ensuite ça ressort par là. Mais si vous voulez faire un montage à l'ancienne comme sur les Telecaster par exemple, ben c'est pas compliqué parce qu'en fait juste en dessous vous avez les trous pour passer les cordes et après c'est à vous de vous débrouiller pour essayer de les faire rentrer dans les petits pontés ici, mais ça va être très difficile. Voilà, donc là pour l'instant, tel quel, nous avons une Superstrat tout à fait standard. Veut dire qu'il est de qualité plutôt sympa, qui se situerait, si je devais l'acheter neuve, aux alentours des 300 euros actuels. A titre de comparaison, si je prends par exemple les Harley Benton, les Stag, les Fazeley, tout ça, elle est vachement mieux finie. Voilà, mais bon, c'est en même temps normal vu que la guitare n'est plus produite actuellement. Et les autres, oui, ça continue à l'être à faible prix. Celle-ci n'est plus produite, mais je vais revenir sur l'histoire, vous allez comprendre pourquoi. Alors donc, la guitare ici est montée avec un gros autocollant qui vous dit « Try me », donc qui veut dire « Essayez-moi », et qui explique en gros que il suffit juste d'appuyer sur un bouton, notamment le bouton de volume ici, après avoir actionné le système ici, et ça vous permet d'avoir la guitare qui est toujours constamment bien accordée. Alors vous allez me dire « Ouais, ça c'est bien gentil, mais comment ça se fait ?» Comment ça marche surtout ? Ben tout simplement, d'abord, petite de comparaison, je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu les Gibson robots. C'était en fait des Gibson Les Paul, SG, etc. qui étaient équipés d'un système où il y avait un gros pavé électronique à l'arrière de la tête, avec des mécaniques qu'on pouvait tourner manuellement, mais aussi avec un système robotique, et qui faisait que lorsque l'on grattait toutes les cordes en même temps, ben le système se mettait en route et les mécaniques, elles tournaient toutes seules. Et ça vous accordait soi-disant très précisément. Alors je dis bien soi-disant parce que on va être vraiment réaliste. Le système était bien pensé à la base, mais très honnêtement, on s'est rendu compte à terme que les gens ils achetaient la guitare, ils essayaient les systèmes, et très vite, comme ils ont vu que c'était pas si précis que ça et qu'il fallait s'y prendre une bonne dizaine de fois parfois selon les systèmes, parce qu'il y a eu des gros plantages des fois, et le système n'était pas très précis. Et ben dans ce cas, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il démontait carrément tout le système, il le vendait à part, il remontait des mécaniques manuelles à la place. Bon, ça a été l'une des raisons qui a fait que Gibson aussi s'est un peu viandé dans ses ventes. Mais bon, là je ferme la parenthèse, c'était juste pour donner un ordre de comparaison. Là non, vous avez vu que ce sont des mécaniques normales, donc qu'on accorde comme on veut. Donc on peut jouer la guitare tout à fait de façon standard, hein. On accorde la guitare, ça y est fini. Ou alors, comme je vous l'ai dit, on va activer le système Antares, qui est donc intégré à l'intérieur de la guitare. Alors, j'explique. Derrière cette grosse plaque que vous voyez ici, vous avez un système électronique qui va capter les vibrations des cordes. Ce système est alimenté dans cette grosse trappe ici par 4 piles de 1,5 volts. Donc, ce n'est pas des piles 9 volts normales. Ou alors, si jamais vous n'avez pas ça, vous pouvez avoir ici une broche DIN. Et acheter à part un petit boîtier qui était vendu par Pivi. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais ils ont voulu le vendre à part. Bon, moi j'en ai pas forcément l'utilité, mais si on l'a, c'est plutôt mieux parce que ça sert à la fois d'alimentation directe pour la guitare, mais également, on va le voir par la suite, de changer l'accordage de la guitare. Et comment ça marche tout simplement? Ben, lorsque je vais gratter les cordes ensemble, je vais appuyer sur le bouton de volume, on va entendre un petit bruit, et aussitôt, le logiciel va dire que virtuellement, toutes les cordes sont accordées. Même si la guitare, physiquement, elle est désaccordée comme un âne, comme n'importe quoi, et ben, vous appuyez sur ce bouton, et puis, ouh, ça y est, elle est accordée normalement. Ça, c'est pour le principe de base. Mais il y a un autre principe qui est très intéressant, c'est que si jamais, au moment où vous frettez les cordes, comme ça, vous lancez le système, mais que vous faites des accords à ce moment-là, vous pouvez changer l'accordage et vous pouvez créer des accords, par exemple un demi-ton, un ton complet au-dessous,
accordez votre guitare en si, voilà, comme si c'était une guitare baryton, comme si c'était une basse, ou alors en drop de ré, ou n'importe quoi, et ça, ça devient vraiment carrément intéressant. Du coup, vous avez deux systèmes en un, c'est-à-dire soit vous avez les micro PV que vous jouez à l'ancienne, donc que vous pouvez même, je pense, à mon avis, pouvoir remplacer, si jamais vous n'êtes pas convaincu par ceci, par le son des micros, soit vous avez le système Antares, qui donc donne un son virtuel des guitares. Potard de tonalité relevée, ça veut dire que ce sont ces micros-là qui fonctionnent. Si le potard est baissé, ça veut dire que c'est le système Antares qui est en route. Donc, on va commencer avec les micros magnétiques. Voici pour commencer le micro manche. Très surprenant, ils sonnent vraiment très bien. Voilà, un petit piqué vraiment pas désagréable. Rondouillard juste qu'il faut pour un bucker, voilà, donc c'est plutôt sympa. Ok, bah rien à signaler. Ensuite, on va se mettre en position intermédiaire, donc les deux micros ensemble. Beaucoup plus piquant, beaucoup plus funky, on peut faire des trucs un peu plus sympas. Je trouve que pour les arpèges en son clair, c'est vraiment très 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 sympathique. Et là, on perd un petit peu de rondeur, mais on gagne un peu plus de claquant. Donc, ça marche très très bien. Rien à redire. Voilà. Et pour finir, nous avons donc le micro aigu. Et voilà ce que cela donne. Voilà, plus puissant, un petit peu plus serré au niveau du grain, mais pas désagréable pour autant. Donc, du coup, il complète bien les deux autres positions, c'est assez sympathique. Les micros ne sont pas splittables, mais ça n'a aucune importance parce que je trouve qu'ils sonnent vraiment bien comme ça. Donc, bien sûr, si vous voulez un son de simple bobinage, il faudra changer les micros à ce moment-là. Très bien, donc on l'a vu, là pour l'instant, le système fonctionne très bien et puis le son n'est vraiment pas dégueu de base. Sans être exceptionnel, il n'est vraiment pas vilain. Le corps vibre bien au niveau de la lutherie. D'ailleurs, les manches est vraiment très très agréable. Donc du coup, les accords barrés. Ça passe tout seul, ça ne fatigue pas du tout la main, c'est vraiment très appréciable. Non, vraiment, ce manche est une vraie réussite, hein. C'est vraiment très très surprenant. Je suis conquis pour l'instant. En plus, un truc très sympathique que je remarque, c'est que comme le manche rentre un petit peu plus dans le corps et que le talon s'arrête ici au niveau de la 17e case, si vous êtes habitué au Stratocaster où en fait, effectivement, à partir de la 15e case, le talon commence à être présent, ben vous n'allez pas être déçu, et du coup, si vous êtes plus rythmicien, le fait de jouer dans les cases 3, 5 et 7, là, ben ça va se faire tout seul. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de faire des solos, aucun souci, vous allez retrouver exactement les mêmes sensations que sur une vraie Stratocaster. Génial pour l'instant. On va maintenant passer au système Antares. Alors, je le répète, pour le mettre en route, on va appuyer sur la tonalité. Voilà. Du coup, ici, il y a une toute petite diode verte, voilà, qui vient de s'allumer. Ça veut dire que le système Antares est activé. Et donc, pour le mettre en route, d'abord, on va écouter l'accordage actuel de la guitare. Bon, ok, c'est pas mal. Il n'y a aucune latence, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps de retard entre le moment où j'attaque la corde et le moment où je joue la note. Non, vraiment aucune latence. Ça, c'est le gros point fort de la guitare. Là, pour l'instant, je dois dire, c'était ça que j'avais le plus peur au moment où j'avais pris la guitare. C'est est-ce qu'il y aurait ce petit temps de retard entre le moment où j'attaque la corde et le moment où ça s'entend ? Non. Donc, du coup, nickel.
Bon, mais si je joue pas très bien, que je suis un débutant, que je d'un seul coup ma corde elle se désaccorde, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va lancer le système Antares. Alors pour ça, regardez. Voilà, donc si je fais un mi mineur. Ouais, ça fait mal, hein. Admettons que là, d'un seul coup, je suis en train de jouer, je suis lors d'une prestation en plein air avec tout mon groupe, et ma guitare vient se désaccorder parce que, bah voilà, variation de température, le manche qui bouge, les cordes, j'ai changé la veille alors qu'il fallait pas. Donc du coup, il y a tout qui est fait pour que la guitare se désaccorde. Et ben, tout ce que j'ai à faire, maintenant que le système Antares est activé, je vais gratter toutes les cordes en même temps et je vais appuyer sur le bouton de volume. Ah! Je refais. Vous avez entendu? Je recommence encore une fois. Ce bruit-là, ça veut dire que le système Antares vient de se déclencher. Et du coup, ma guitare qui est donc accordée comme un pied. Écoutez, je suis comblé. Là, vraiment, c'est génial, génial, génial. Alors, on va dire tout de suite les choses. Est-ce que c'est réaliste? Si vous faites partie de ces guitaristes qui utilisent beaucoup les simulations d'ampli, que jouer sur un baffle FR-FR avec des simulations, ça ne vous gêne pas, que vous cherchez une solution pratique plutôt qu'être puriste à tout prix, la guitare vaut carrément le coup. Voilà. Si vous êtes plus un bluesman à l'ancienne pour qui deux ou trois pédales ça suffit largement et que vous aimez le son d'un vrai ampli avec une très grande attaque, ça risque de ne pas vous plaire. Dans ce cas, non. Si vous pouvez vous faire une idée vous-même de la guitare en l'essayant, ça peut vous donner une jeune petite idée de savoir si ça vous plaire ou pas. À savoir que, avant de parler plus encore en avant des accordages, la guitare lorsqu'elle est sortie et que la guitare en plus. Pivia fait n'importe quoi parce qu'ils ont eu la mauvaise idée de la sortir à un prix exorbitant, c'est-à-dire 1 000 $. Alors, je veux bien que la guitare était nouvelle, qu'il y avait des frais de recherche et de développement, etc. Mais 1 000 $ pour ce système, c'est vraiment beaucoup trop cher, même si c'est au tout début. Voilà. Surtout qu'à côté, n'oublions pas, il y avait tous les autres concurrents qui commençaient à venir, hein, notamment en tête la N6. Et là, honnêtement, c'était pas très 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 bien pensé. Même si la N6, il ne faut pas les systèmes d'accordage automatisés. Mais bon, tout ce qui est au terme de la simulation, c'est là où ça commence à arriver. C'était les balbutiements de tous ces systèmes-là, où en fait, il y a eu beaucoup de simulations. Et il y a eu des bonnes choses et des très mauvaises choses. Donc là, du coup, il est arrivé un petit peu au milieu, au moment où il y avait cette guerre. 1 000 $, c'était vraiment beaucoup trop cher pour ce système. Ensuite, ils ont vu le prix à la baisse. Donc là, du coup, la guitare, elle a carrément baissé de moitié prix, 500 $. Là, c'est devenu beaucoup plus intéressant et beaucoup plus attractif. Malheureusement, le mal était déjà fait. La guitare, déjà, on avait vu un petit peu le système qui marchait bien, certes, mais malheureusement, toutes ces histoires de simulation et autres, et ben, ça continue à avancer pas forcément en bien, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de bouse, comme je vous l'ai dit. Et du coup, ben, 500 $, c'était bien, mais le rendez-vous n'a pas été là sur le plan commercial. Et depuis, ben, toutes les guitares ont été vite arrêtées, malheureusement, alors qu'il y a moyen de faire autre chose. Du coup, est-ce que la guitare valait le coup à 500 $? Ben, 500 $, vous vous retrouvez avec une guitare qui était loin d'être exceptionnelle sur le plan du tri, mais qui était très très bien faite. Malheureusement, comme le rendez-vous commercial a été complètement manqué entre Pivi et les clients, et ben, du coup, la guitare n'a pas fait très long feu. Alors du coup, ils ont essayé de relancer les ventes en promettant par la suite un système nommé Breakout Box, c'est ça comme ça s'appelle? Oui, c'est un Breakout Box. Et qui était donc un petit boîtier que l'on reliait grâce ici à la prise, à la broche d'in ici de la guitare. Et qui permettait, comme je vous l'ai dit, un, d'alimenter en continu la guitare au niveau du système Antares sans avoir besoin de piles. Donc ça, c'était plutôt sympa. Et deux, de brancher un système dans l'ordinateur qui vous permettait par la suite de choisir d'autres accordages. D'autres accordages comme par exemple des open de ré, open de sol, directement d'autres, vous cliquez sur un logiciel et paf, le logiciel il se mettait automatiquement en route avec le bon accordage, etc. etc. Donc ça, c'était plutôt bien vu.
Là où les gens étaient un petit peu perturbés, c'est qu'au début, lorsqu'ils ont reçu la guitare, ben en fait, ils entendaient le son de la guitare qui sortait de l'ampli qui était correctement branché, mais en même temps, ils entendaient le son des cordes qui étaient mal accordées, et du coup, il y avait une espèce de petit effet chorus, effet pitch shifter qui était enclenché, qui n'était pas très agréable du coup. Alors, honnêtement, pour celui qui joue avec un volume assez élevé ou en prestation, là, il va plus entendre le son de sa guitare, il va entendre que le son des amplis autour de lui, donc absolument aucun problème. Si vous jouez au casque dans un studio pour vous enregistrer rapidement et que vous voulez pas vous perdre du temps pour pouvoir vous accorder une par une les cordes et que vous avez un petit peu de mal, pour une raison ou pour une autre, là, pareil, la guitare, c'est un très bon plan. Par contre, si vous jouez chez vous, juste comme ça, avec l'ampli devant vous et que vous êtes capable d'entendre les cordes à vide, en plus de cordes, du son des cordes qui sortent par l'ampli, vous aurez cet effet de chorus détuning qui n'est pas très joli. Donc dans ce cas, moi ce que je vous recommande, c'est essayer d'abord de voir avec un casque si jamais vous avez cet effet qui est enfin atténué. Normalement, oui, il n'y a aucune raison. Mais bon, ne jouez pas forcément de façon à ce que vous puissiez entendre les cordes à vide la guitare comme ça, parce que ce ne sera pas beau. Ensuite, un autre point qu'on a soulevé, il s'agit donc de la latence. Donc la latence, c'est le système qui permet de quantifier quel est le retard qu'il y a entre le moment où j'attaque la corde et ce que j'entends. Voilà, tous ceux qui enregistrent sur ordinateur, vous savez très bien que le problème de latence, des fois, ça peut arriver, notamment avec des programmes qui sont très gourmands en ressources pour l'ordinateur. Ben là, est-ce qu'il y a de la latence? Absolument aucune. Non, non, pas du tout. Même en disto, regardez. Il n'y a aucune latence du tout. Non, non, vraiment. Là, je suis vraiment, vraiment de très, très bonne foi en vous disant ça. Vous pouvez tout à fait y aller à ce niveau-là, c'est bon. Là où, par contre, vous pourriez être un petit peu échaudé, un petit peu, c'est que, comme c'est de la simulation, vous voyez la virtuelle, l'attaque, bien sûr, n'est pas du tout la même qu'avec des micromagnétiques. D'ailleurs, lorsque vous jouez à très fort volume, je dis bien très fort, hein, on entend bien qu'entre le moment où on passe du système Antares vers les micro-passifs PV, il y a une différence à la fois de volume, parce que ceux-là, ils sont un petit peu plus puissants que le système Antares, mais bon, ça, c'est juste un petit détail à régler. Mais surtout, vous entendez bien que l'attaque sur les cordes avec le micro est bien sûr beaucoup plus forte et beaucoup plus impressionnante et plus naturelle. Là, avec le système Antares, on voit que ça marche, mais c'est un petit peu arrondi, c'est un petit peu, voilà, mollo, pas très très fort, bref, passons. Alors, à 500 $, est-ce que la guitare valait le coup lorsqu'elle est sortie? Avant de répondre à cette question, je vais pousser un énorme coup de gueule contre Peavey. Monsieur et Madame Peavey, voilà, on va dire Monsieur Peavey, puisque donc c'est un patron qui a chez Peavey. Je trouve que vous devriez vraiment revoir votre politique commerciale. Parce que vous avez sorti une guitare avec un système de logiciel, soit qui marchait pas trop mal, voire même très bien, toujours soit. Vous avez sorti un petit boîtier pour aller avec cette guitare, ouais. Mais alors, je vous le demande, maintenant que la guitare est arrêtée d'être produite, qu'est-ce qui vous a pris fin 2017, même milieu 2017, d'arrêter complètement tout support pour télécharger le logiciel de la guitare et de dire que désormais tous ceux qui avaient le boîtier, ben c'était bien, mais que ça allait s'arrêter là. Pourquoi vous avez fait ça? Parce que là maintenant, je me retrouve avec une guitare qui heureusement me convient bien et avec les accordages qui sont à l'intérieur et qui me conviennent parfaitement. D'ailleurs, on va les passer en test par la suite. Mais si moi je voulais avoir le boîtier Breakout Box à part et que je voulais télécharger le système d'accordage pour voir un petit peu comment ça marchait, eh ben c'est plus possible. Voilà. Ou alors il faudrait que je trouve la guitare PV AT200 version 2 qui avait déjà tous les systèmes d'accordage dans la guitare et du coup ben, le boîtier ne servait plus que pour l'alimentation. Mais du coup là non, 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 là c'est pas bon. Commercialement parlant, vous avez fait de la merde, je le dis. Vous allez sur le site d'Antares, ils vous disent que tout a fermé, ça n'existe plus. Vous allez sur le site de PV, ils vous laissent un lien en disant téléchargez le système Antares, vous arrivez, paf, page inexistante. Donc là, non, je suis désolé, vous avez fait n'importe quoi et c'est pas bon du tout. Niveau support, vous êtes zéro. Maintenant, admettons que je veuille jouer un morceau qui soit accordé, par exemple, un demi-ton plus bas. Eh bien, pas de problème, je vais fretter toutes les cordes de la première case.
Et là, voilà, toutes mes cordes sont accordées un demi-ton plus bas. Et oui, parce que le fait de fretter toutes les cordes ici, de lancer le système, je lui dis, ben c'est comme si j'avais un capot d'astre à la première case, je le retire, donc je descends d'un ton, je suis accordé un demi-ton plus bas. Un ton plus bas, ben c'est facile, vous faites case numéro 2. Et voilà, et c'est parti. Si maintenant vous voulez jouer en drop de ré, pas de problème. Sur la corde mi grave, vous frettez la deuxième case et vous frottez toutes les cordes à vide. Et voilà, c'est fait. Du coup, j'enclenche le son saturé. Et franchement, c'est bluffant, hein, il n'y a pas à dire. Bon, maintenant, moi, je veux jouer avec mon guitariste qui a 7 cordes et qui joue beaucoup avec sa corde de si. Ouais, mais moi, j'ai que 6 cordes. Eh ben, c'est pas un problème. Allez, je me mets case numéro 5. Et là, je suis accordé en si. Ouh, c'est grave. Oh, oh, oh. C'est... C'est vraiment très très grave. Alors, dernier pour la route. Vous imaginez que tout simplement, il y a votre bassiste qui ne peut pas venir à la répète, mais vous avez absolument besoin de lui pour une répétition. Pas de problème. Moi, je me mets 12e fret. Et là. Voilà, bah écoutez, j'ai fait à peu près le tour de tout ce qu'on pouvait faire, sachant que bien sûr après, si vous faites certains accords ici avec des cordes à vide, bah vous pouvez vous mettre en open de sol, en open de ré, etc., etc. Donc du coup, vous pouvez jouer très bien en slide, hein, on remonte un petit peu les pontées ici. La durée de vie des piles, donc de la guitare pour le système Antares, est de 9 heures d'affilée. Donc prévoyez un stock de piles assez sympa si vous n'avez pas le boîtier Breakbox, voilà. Parce que là, du coup, il le faudra. Que dire sinon concernant la AT en général, comme je vous l'ai dit, si vous la trouvez entre 300 et 500 euros et que vous avez en plus le boîtier, n'hésitez pas. Si jamais les simulations ne vous font pas peur, vous pouvez très, très, très bien partir sur cette guitare. Sachant que, comme je l'ai dit, même s'il n'y avait pas le système Antares, la guitare en elle-même est une bonne guitare. Voilà. Ça ne sonne pas complètement tilleul parce qu'il y a cette histoire de petite table sur la surface. Voilà. Donc, du coup. Ça sonne un petit peu plus serré, mais aussi un petit peu plus direct. On est presque, j'y viens presque, hein, sur du son qui rappelle le l'aulne au niveau de la lutherie. Donc, c'est vraiment très, très bien. Le manche est polyvalent. C'est plutôt bien fini, malgré le fait que ce soit fabriqué en Chine. Non, honnêtement, je n'ai vraiment rien à reprocher à cette guitare, même si c'est la version 1. Si vous pouvez avoir la version 2, c'est encore plus sympa. Vous débutez la guitare, vous avez peur d'apprendre correctement à vous accorder et vous voulez gagner du temps, ben vous prenez cette guitare et ça vous fera au moins travailler un petit peu l'oreille entre temps, même si ça ne vous dispense pas d'apprendre comment utiliser correctement un accordeur et comment tourner les cordes, parce que tôt ou tard, il faudra bien que vous y mettiez. La guitare est incroyablement confortable, elle n'est pas lourde, elle pèse moins de 3 kg, voilà. C'est pas un jouet, c'est vraiment très très bien foutu. Je regrette énormément que Pivi ait cessé le support informatique pour le logiciel. Je comprends pas qu'est-ce qu'il leur a pris.
Très sincèrement, la guitare en elle-même est bien, mais tous ces petits à côté, faut y penser quand même pour peser le pour et le contre. Du coup, à vous de vous faire votre idée. Je peux pas mettre à votre place. Moi, sachant que j'avais des besoins qui étaient très précis dès le départ, je savais dans quoi je me lançais. J'avais juste peur pour la latence et je suis plus que ravi de voir qu'il n'y en a pas du tout. Du coup, la vidéo est terminée, donc j'espère que ça vous aura aidé pour savoir si pour vous c'est le genre de guitare qui vous ferait plaisir ou pas du tout. Moi, je vous recommande vraiment de pouvoir à la limite l'essayer avant de la commander. Il n'y aura pas de mauvaise surprise si dès le départ vous avez bien cerné vos besoins. Moi, honnêtement, je suis plus que ravi pour le prix que je l'ai payé, donc je ne peux que vous dire que pour moi encore, je dis bien personnellement, c'est du très 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 bon matos. Voilà. Puis bon, voilà, super strat, noire, polyvalente, elle a tout pour me plaire, alors je ne vais pas bouder mon plaisir, franchement. D'ici là, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ces tests. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vous mettez en bas de la vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire aussi à la page Facebook Le Hangar des Guitares, dans laquelle vous pourrez suivre toutes mes aventures au niveau de tout le domaine guitaristique. J'espère que ça vous aura plu, et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Ciao! Thank you.